Une poignée de camionneurs suisses et français a redécouvert la route de la soie. Le Neuchâtelois Ferdi de Martin faisait partie de l'expédition. Parti il y a 6 semaines, l'ancien routier a retrouvé Colombier après un voyage de plus de 14 000 km. Avec 2 camions et 1 minibus sans chargement, l'équipe est passée par l'Italie, la Grèce et la Turquie avant de rallier Bandar Abbas au sud de l'Iran. Axe encore incontournable du transport routier il y a 30 ans, la route de la soie n'est plus qu'occasionnellement empruntée par les poids lourds occidentaux. Les routiers aventuriers ont souvent choisi les tronçons les moins accessibles, comme ce col en chemin blanc avant la frontière iranienne pour atteindre le village de Tahir. Ferdi de Martin. L'espace de quelques années, c'était devenu l'axe principal entre l'Europe et l'Asie. C'était des centaines de camions qui essayaient de passer dans cette route. Tous les kilomètres, il y avait un camion qui était renversé dans les ravins. Et puis surtout, c'était un flux incessant de camions qui traversaient ce pauvre petit village. Et les gens étaient devenus carrément hostiles à ce flux de camions. Et il y avait pas mal d'aventures. Les chauffeurs n'osaient pas s'arrêter. Les gamins tiraient des cailloux dans les pare-brises. Puis là, 35 ans plus tard, en fait, ils étaient tout contents de nous voir, de retrouver ces bahuts, de retrouver des photos, de raviver les souvenirs. Et puis on s'est fait accueillir vraiment bien. On reparle de cette expédition vers 7h45. Un beau périple maintenant, celui de Ferdi de Martin, un passionné de camions qui est parti à la rencontre de la vieille famille des routiers. Cet ancien camionneur neuchâtelois a redécouvert la route de la soie avec une équipe de copains. Il vient de rentrer après un voyage de plus de 14 000 km qui a duré 6 semaines. Avec 2 camions et 1 minibus sans chargement, l'équipe a emprunté un axe encore incontournable du transport routier il y a 30 ans. Et au retour, les routiers ont fait une drôle de rencontre. Ferdi de Martin. On est sur le retour en Grèce et puis on a décidé de prendre les petites routes parce qu'on avait un petit peu de temps pour prendre le ferry. Tout d'un coup, du coin de l'œil, je vois un camion qui était un peu tuné avec des couleurs un peu fantaisistes. Puis je dis à mon collègue, on s'arrête, ouais, on fait demi-tour, on rentre dans la cour, on regarde le camion. Mon collègue va demander au chauffeur si on pouvait prendre des photos parce que ça c'était la règle d'or, toujours de demander avant de faire des photos. Mon collègue va faire les photos, puis le chauffeur il me fait, viens regarder. Puis il m'amène dans un espèce de petit bureau, puis il me sort un magazine de camions grecs, tout fier. Il ouvre le milieu du magazine, puis montre les photos de son camion, puis il me fait « Hey, t'as vu, ça c'est moi, regarde !» Puis tout d'un coup, il
feuillette nerveusement le magazine, puis il avance. Et il se trouve en fait que dans le même magazine, il y a un article sur nous qui allons sur la route de la soie. Puis en bas de la page, on me voit en photo avec mes autres collègues. Et puis il était là, mais regarde, mais c'est toi, mais oui, mais c'est ton van juste là. Au début du magazine, il était tout fier parce que lui, il était en photo dedans. Puis il s'est avéré que nous, on était en photo dedans aussi, quoi. Ils sont partis de Colombier pour se rendre au sud de l'Iran en camion. Un ancien routier de Châtelois a retracé la route de la soie avec une poignée de camionneurs. Ferdi de Martin vient de rentrer après un voyage de 6 semaines au cours duquel il a avalé plus de 14 000 kilomètres. Avec 2 camions et 1 minibus sans chargement, l'équipe a emprunté un axe incontournable du transport routier d'il y a 30 ans. Les camionneurs ont souvent choisi les tronçons les moins accessibles en quête de photos et de témoignages et ils ont eu quelques surprises au moment de passer à la pompe. Ferdi de Martin. Le prix du diesel, donc en Suisse, on le connaît, environ 1,80. En Italie, un petit peu moins cher. En Grèce, un petit peu moins cher. En Turquie, plus cher qu'en Suisse. Ça, c'était le coup dur pour notre budget parce qu'on avait quand même presque 3 000 km à faire en Turquie. Et le bonheur en Iran, parce que là, 100 litres de diesel, 10 francs suisses. C'est directement lié à la proximité de la source de pétrole, où il y a des petites comme ça, des petites subtilités dans le prix du carburant. Ouais, c'est certainement dû à ça. Hein. Et puis une volonté politique de laisser le carburant à bas prix. Or, ils font des cartes de rationnement pour qu'il n'y ait pas trop de trafic. Mais ce qui m'a frappé dans la plupart des stations-service, c'est que le pistolet, quand on remplit, normalement, il se déclenche quand c'est plein. Mais là, c'est déjà un gros pistolet pour les camions, donc ça remplit beaucoup plus vite. Puis il n'y a pas de déclencheur. Donc au moment où c'est plein, ça fait un immense débordement. Puis il y a 3-4 litres qui partent par terre. Tout le fond des stations-service, c'est une immense flaque de diesel. C'est un gâchis incroyable, quoi. Mais bon, c'est moins cher que l'eau. We'll be right back.
7h47 dans la matinale, une poignée de camionneurs suisses et français ont redécouvert la route de la soie. Le Neuchâtelois Ferdi de Martin faisait partie de l'expédition Armel. Parti il y a 6 semaines, l'ancien routier a retrouvé Colombier après un voyage de plus de 14 000 kilomètres. Il nous raconte ce qu'il a surpris sur le parcours. Ferdi de Martin. La première surprise, puis je dirais un peu négative, c'était la Grèce. En passant comme ça sur l'autoroute, on a vu énormément d'usines arrêtées, abandonnées, délabrées, très peu de trafic commercial. Donc on se dit, s'il n'y a pas de camions qui transportent les marchandises, ça veut dire que l'économie est au ralenti. Après la Turquie, un pays en plein boom, une économie incroyable, des routes en parfait état, un flux incessant de camions, donc ça veut dire ce que ça veut dire pour moi. Puis après, j'avais un millier de questions concernant l'Iran, c'était la première fois que j'y allais. Et là, j'ai trouvé un pays qui, malgré les embargos et puis tout ce qu'on nous envoie comme information, j'ai trouvé que c'était un pays qui était extrêmement dynamique. On voyait donc beaucoup de camions chargés avec des voitures neuves, des choses comme ça. Donc on se dit que l'économie, elle tourne. On voyait beaucoup d'usines neuves, d'usines en construction. Et un niveau de vie qui m'avait l'air tout à fait correct, quoi. Une chose qui m'a énormément frappé, c'était l'accueil qu'on avait de chaque personne. C'était tout le temps « Ah, oh, welcome, bienvenue, merci d'aimer l'Iran, merci de s'intéresser à nous ». Tant et si bien qu'une fois, on s'est arrêté dans un relais routier, on a mangé avec des routiers, puis quand il a fallu payer, le restaurateur a dit « Non, vous êtes des amis d'Iran, vous ne payez pas ». Il a fallu qu'on insiste, mais lourdement, pour payer notre repas. Hein. Est-ce qu'il y a une correspondance entre la gueule des camions, la cylindrée et le pays? Oh, je dirais qu'il y avait quand même une chose intéressante en Iran, c'est qu'ils continuent à utiliser des camions qui ont été achetés durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour quelqu'un qui est intéressé par ça, passionné par les camions, les transports, c'est extrêmement intéressant de voir arriver un vieux Mack américain de 1943 qui tire un conteneur de 40 tonnes à grand renfort de fumée, de claquement, puis juste à côté un camion Volvo suédois flambant neuf avec tous les systèmes de filtres qui fait même pas une petite fumée ni un bruit, transportant le même type de conteneur. Donc il y avait 50 ans de technologie sur la même route. Ça, il n'y a qu'en Iran qu'on peut voir. Il n'y a qu'en Iran. Puis pour passionner, ça vaut le déplacement. Des propos recueillis par Vincent Costet. Ferdi de Martin s'attelle désormais à la rédaction d'un ouvrage.